Eh bien, salut les amis, c'est Bonal Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. On est sur la deuxième partie du bunker, je suis toujours en live. Et du coup, j'ai été récupéré donc, des armes afin de pouvoir réaliser donc, la suite du bunker. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, enfin qui n'ont pas assez d'armes surtout, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'armes, utilisez donc les arcs. Afin de faire le bunker, donc de la même façon que je vous expliquais dans la vidéo précédente, donc c'était sur le sous-sol 1. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez loupé cette vidéo. Donc là moi j'ai pris des armes afin de le réaliser plus rapidement. Après évidemment, alors j'ai oublié le masque, à gaz, mais c'est pas trop gênant parce que du coup je vais pas faire de pack opening tout de suite. Donc on est parti. Je suis en train de lire en même temps les commentaires. N'hésitez pas donc à lâcher un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Vous avez été nombreux, comme je disais dans l'épisode précédent, à m'avoir demandé comment réaliser le bunker facilement, comment avoir plein de coupons rouges. Donc vous allez avoir toutes ces réponses à ces questions, et eh bien tout de suite. Nous partons dans le sous-sol 3. Et juste après, donc on fera le pack opening de tous les coffres. De tous les coffres à coupons. Oui, 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 vous avez bien entendu, je ne vais pas faire un pack opening spécial. Je vais pas faire une vidéo spéciale pack opening. Tout sera sur la même vidéo. Voilà, on va pas faire 36 000 choses. Comme ça, au moins, ça permet de voir un petit peu la petite carotte. Vous avez vu comment tout se passe. Et après, vous allez pouvoir voir tout de suite après eh bien, ce dont j'ai pu récupérer à suite. Donc là on va mettre le mode automatique, on va penser à bien se soigner parce que là du coup je me soigne avec des petites baies. Voilà, je trouve ça cool, j'ai récupéré une batte tout à l'heure là sur un petit event. Donc du coup on l'utilise la batte, parce que sinon je vais jamais l'utiliser, mes baies sont déjà mortes. Allez, il est presque mort, ok c'est bon il est dead. Bon là par contre on n'a rien récupéré, ça c'est bien triste. Là, à notre ami, alors j'ai j'ai retiré mon briseur, mais c'est pas trop gênant. Enfin, mon... Oh non, l'autre, il m'a vu. Il a eu le temps de me voir. Tant pis. Bon, on va du coup utiliser le petit briseur rapidement, là. Alors, remets-moi un coup, je me soigne. Voilà, super. Allez, on va reprendre la batte. Histoire vraiment d'utiliser tout ce qu'on a sur nous. Et de ne pas utiliser les armes, du coup, qu'on a fabriquées. Donc, ça peut être un petit peu plus long. Quoique non, ça s'est fait assez facilement. Donc là ici, je vous avais montré tout à l'heure qu'on pouvait s'occuper de la tourelle uniquement avec l'arc. Donc c'est vrai, je vais pouvoir vous le remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Donc là, on va s'avancer ici. Et là du coup, il suffit simplement de tirer sur l'arc. Donc là, pour aller plus vite, on va se le faire à la ca rapidement. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Ensuite... on va aller s'occuper du coup de cette pièce-là. Donc dans cette pièce-là, malheureusement, faire un CC, ça va être impossible. Puisque du coup, l'autre là-haut, il va nous voir. Voilà, donc là, on va y aller en mode à l'arrache. Encore et encore et encore. On va se soigner. Alors, on se soigne toujours avec des baies. Moi, j'aime bien utiliser les baies. J'en ai tellement. J'ai tellement de baies. Après, l'alcool, c'est vrai que l'alcool, j'en fais pas. Parce que l'alcool, si je trouve, ça sert à rien. C'est pas du tout avantageux. Bon voilà, du coup tout le monde est mort, donc c'est bien le mode automatique qui fait très très bien son taf. Ici nous avons un géant enragé, donc le géant enragé on va pouvoir se le faire à l'arc. Mais moi ce que je vais vous conseiller c'est d'attendre. C'est d'attendre simplement parce que vous avez un glitch dans le jeu. Alors on va regarder en même temps si elle a été patchée, on le verra après. Il y a un petit glitch et donc on va le tester juste après. Alors, allez c'est parti, eux on se les fait à l'arrache. On se les fait à l'arrache. Voilà, d'abord le petit crasher là qui fait plaise. On récupère son coupon à lui. Allez, venez les gars. Allez. Presque mort. Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'ils étaient deux en fait. Ok, c'est bon. Il est quasiment KO le Robert. Et ben voilà, c'est impeccable. Très bonne chose de fait. On va tout de suite prendre deux arcs. On va prendre deux arcs, on va se soigner. Voilà, on va utiliser toutes nos baies, impeccable. Donc là, on va aller voir le premier gros du bas. Alors, le premier gros du bas. Allez, salut l'ami. On va commencer à lui tirer donc, des flèches dessus. Et surtout, on va la tirer donc, dans le coin où il y a le glitch.
Et le glitch, vous allez voir qu'il est plutôt très très... Alors on va regarder en même temps s'il a été patché. Parce que s'il a été patché, malheureusement, je vais pas pouvoir bien vous, bah, du coup, vous le montrer, hein, bien évidemment. Donc surtout, la chose importante, c'est de ne pas vous faire bloquer ici. N'attendez pas le dernier moment pour passer. Passez avant que le gros vous bloque. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, bah, vous allez perdre des points bêtement, voire même mourir. Ça m'est déjà arrivé de mourir comme ça ici. Et j'avais un petit peu l'air d'un con en fait. J'avais un peu l'air d'un con. Là, le gros, on le fait faire le tour du rond-point. Voilà. Et on repart de l'autre côté. On repart de l'autre côté. Petite technique. Voilà, au cas où si le glitch ne fonctionne pas. Bon, là, ici, ça marche plutôt bien. On lui a fait la moitié des dégâts. Et là, on passe. Allez. Et là, du coup, il suffit simplement de venir ici. Et en fait, ça va permettre de l'arrêter. Alors, c'est vraiment bidon. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner tout. Voilà, on l'arrête en coin de la porte. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir donc le tuer tranquillement avec votre arc. Donc ça, c'est vraiment énorme. Voilà, le glitch donc n'a pas été patch. Il y en a plein qui me disent il ne fonctionne plus dans le chat. Eh bien si, il fonctionne toujours, puisque du coup, on est en train de le tester en direct live. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc là, on peut s'occuper facilement. Des géants enragés, donc là vraiment concrètement le sous-sol 3, on peut le faire entièrement à l'arc aisément. On peut le faire aisément à l'arc. Allez, lui on va l'attirer tranquillement. On va se refaire le deuxième, on va se faire le deuxième à l'arc. Et après les autres, on va se les faire du coup avec des armes hein, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Ça fonctionne bien évidemment. Que sur les géants enragés, sur les mobs, sur les zombies qui courent là, ça ne fonctionne pas. Moi, en même temps, vous allez me dire, ils courent tous. Mais sur les crashers, voilà, pardon, ça ne fonctionne pas. Après, quand on se met un petit peu plus haut, si on se met un petit peu plus haut, non, il veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter, donc ça fonctionne vraiment que dans un sens. Donc là, on se prépare à passer. Allez, on passe tout de suite. Voilà, super. Allez. Allez, là on continue d'avancer. On n'oublie pas qu'il y a une petite phrase. Je vais te tuer, espèce de gros. Je vais te tuer, espèce de gros lard. Je vais te tuer, espèce de gros lard de géant enragé. Je vais te tuer, espèce de gros lard de géant enragé. C'est pas mal, ça fait 17. 16. Je vais te tuer, espèce de gros lard de géant enragé. Oula, j'ai loupé celui-là. Il a failli me toucher d'ailleurs. Il a failli me toucher. Allez, on va repartir tout de suite. Allez, allez, l'ami. Allez, on passe, on ne se fait pas bloquer, bien évidemment. On attend, et dès qu'on le voit qu'il arrive quasiment au pas de la porte, on s'avance. Donc là, on se reste ici. Et là, trop court, on revient, on ravance. Et voilà, il est bloqué pile poil au niveau de la porte. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à lui mettre des coups au maximum de notre force. Voilà, donc après, il y a les petites phrases qui marchent plutôt bien. Je ne sais plus c'est quoi ma phase. Je vais te tuer, espèce de sale gros lard de géant. Je vais te tuer, espèce de sale gros lard de géant. Ça marche bien, regardez. Je vais te tuer, espèce de sale gros lard de géant. Je vais te tuer, espèce de sale gros lard de géant. Je vais te tuer, espèce de sale gros lard de géant. Je vais te tuer. Ah non, j'ai pas bien appuyé. Je vais te tuer, espèce de sale gros lard de géant. Ok, boum, 18. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc après, hein, si vous connaissez une petite musique avec les mêmes syllabes, et bien écoutez, ça va fonctionner de la même façon. Ensuite, nous allons avoir donc. Ces deux concurrents-là. Donc ces deux concurrents-là. Vous savez quoi? J'ai plutôt envie de me prendre la tête. Là, on va essayer de se les faire tous très rapidement. Ouais, il nous a pas vu, l'autre, c'est cool. Allez. Et ben voilà. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Très très bonne chose. On va par contre se nourrir parce que là on a quasiment plus rien pour se nourrir. Voilà. On va lui mettre un coup critique donc à celui qui est en haut. Et là on va mettre le mode automatique. Voilà, on laisse le mode automatique gérer la situation. Puisque le mode automatique gère plutôt bien ça. Après. Alors. Allez, 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 on se dépêche. On se dépêche. Et bien voilà, c'est très bien, une bonne chose de faite. Très bonne chose de faite. Les deux petits qu'il y a là-haut, on va se les faire avec juste ça. Voilà, très bien, juste à coup de batte. Ça devrait passer tranquillement. On va quand même devoir se nourrir un peu.
Mais la batte fait le taf, hein. La batte fait le taf, largement le taf. Alors, nous avons ensuite un géant enragé juste par ici. Donc là, on va utiliser notre bloc. On va pas, voilà. On va essayer de faire ça plus rapidement. Et bien voilà, ça c'est fait. Avec un coupon rouge, ça c'est cool. Allez, on les attire. Allez, dépêche-toi, on va se le faire avec, avec ça tranquille. Au niveau de ma combi, elle est toujours bien, ma combi. On se soigne. Ah, je voulais utiliser, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai pas eu le temps. On va les reprendre tout de suite. Notre petit Glock. Alors, le fusil à glissière, je l'ai jamais utilisé dans le bunker. Ok, alors lui, il m'attendait juste derrière la porte. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Donc là, faire très attention au gros qui est derrière la porte. Parce qu'il peut faire mal. Il peut faire très très mal. J'ai pris un petit peu cher. J'ai pris un petit peu cher. Ça va me permettre en même temps d'aller récupérer un peu plus de nourriture. Puisque du coup, je n'avais pas assez de nourriture. Donc, rip à nous. Rip à nous. J'ai pris cher. J'ai pris cher. Je me suis pris une méchante droite du futur. Là, comme ça, je vais récupérer des armes. Parce que du coup, j'ai plus d'armes au corps à corps. Ah mais attendez, je vais repartir. Bah non, je vais repartir directement du sous-sol 3. On sait pas, on va se débrouiller comme ça. On s'en fiche un petit peu. On n'en a pas besoin. Alors. Au niveau de ma nourriture par contre. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Avec tout ce qui reste à tuer, ça va être chaud. Mais on va se débrouiller pour y arriver. Le mec c'est un vrai, c'est clair, le mec c'est un sniper, le mec il arrive à te toucher et laisse tomber. Il décolle une droite du futur. Ok donc lui c'est bon, il est là. Voilà, on va bien se soigner comme ça s'il nous met un coup. Ok, bah du coup il était reparti de l'autre côté, donc ça c'est bien. Allez, on se dépêche de le terminer celui-là. On se dépêche de le terminer. Ouh là la vache. Faites très attention quand l'arme elle est quasiment morte, parce que du coup, ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Alors, cette arme-là pour l'instant on va la garder. Je vais utiliser simplement mon Glock. Mon Glock. Ouais, on va utiliser ça. On va aller récupérer le petit. Mordeur, très bien, ça c'est une bonne chose. On ouvre cette partie-là. Et on y va. Allez, on se fait, on laisse les feux au gun, tranquille. Alors ensuite, nous avons nos amis ici présents. Lui, on va essayer de lui mettre des coups avec ça, là. Et bien voilà, ça c'est bon. Ça c'est bueno. Là-haut, lui, c'est pareil. On va en terminer très très rapidement. On va commencer à aller vers le bas. Je vais me faire enfermer le tapis. Allez, encore un petit coupon rouge. C'est la fête des coupons rouges, moi je vous le dis. Nous avons que ça. Alors après, le Glock, c'est plutôt pas mal. Parce qu'avec le Glock, on arrive à tuer quand même pas mal de gros. Donc là, ça, moi je valide. Hein. Le bloc pour attaper les géants enragés, ça c'est top. Hein. C'est vraiment bien. Et on fait notre dernier géant dans cette partie-là. Ensuite, on va accéder à l'autre petite zone. Ok, très bien. Allez, hop, on file. On file. On va aller s'occuper de ces là maintenant. On peut reculer aussi histoire de pas prendre trop de. Voilà, ça c'est bon. Allez, on va aller récupérer les petits. Ouais, ça vient, ça y va plutôt. C'est plutôt assez rapide hein, pour pouvoir en venir à bout. Donc là, du coup, je vous conseille ici un petit AK ou un petit M16 histoire de pouvoir
tous ces trucs, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Là, il me reste plus beaucoup de points de vie. J'ai plus beaucoup de nourriture, donc là, le but sera vraiment de ne pas trop se nourrir. Voilà, simplement. Enfin, surtout de ne pas prendre de dégâts en fait. C'est ça là, la vraie chose. Allez, on refait le petit tour du rond-point. Et voilà, tout le monde est mort, tout le monde est venu à bout. Ça, c'est bien. On va récupérer les petits coupons. Il m'en reste un à prendre ici. Et bien voilà, ça c'est fait. Voilà. Allez, du coup, on continue. On continue. Alors, on va les finir maintenant. Là, le gros du bas, c'est fait. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Oui. Ok. Donc, la partie du bas, là, on l'a faite. Ensuite, nous allons aller finir. Alors là, du coup, on va juste reprendre notre petit... Alors, attendez, on va tester le fusil à glissière. Ok, d'accord. Il n'attaque pas le bon, c'est dommage. Mais je crois que ça va être un petit peu lent quand même pour pouvoir faire le... Ok, ouais, ça va être beaucoup trop lent. Beaucoup, beaucoup trop lent pour pouvoir venir à bout de ça. Ouais, donc là, on se le fait comme ça, hein. Ensuite, alors j'ai vraiment plus de nourriture. Ouais, j'ai plus aucune nourriture, donc là pour finir le bunker, autant vous dire que ça va être chaud morticus. On va se le finir comment le bunker? On va se le finir comment? Tout d'abord, on va utiliser cette AK qui est moins. Allez, on a mis deux coups. Ici, on va se baisser afin de pouvoir le tuer au travers. Ok, alors attendez, normalement j'ai de la nourriture qui traîne, parce que là du coup sinon je vais être dans le caca. Et bien voilà. Ok, bon, sauvé de la... On est sauvé là. Du coup... Faut vraiment bien s'approcher. Donc ici, on va pouvoir se le faire également à l'arc. Voilà, du coup, je vais pas le faire à l'arc, sinon on va mettre 10 ans pour le faire. Là, on se dépêche de le finir au AK, ou bien... Enfin, voilà. C'est bon, il est mort. Ou bien sinon, après, si vous avez le Glock, hein, bien évidemment, on le termine au Glock. Allez, on rentre à l'intérieur, on récupère ça. Je vais juste ouvrir celui-ci, parce que bien souvent, j'arrive à récupérer une petite clé plate. Après, la vidéo... Oh la vache, tous les coupons, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, c'est bon, ça c'est venu à bout. C'est dans celui-ci en fait les clés plates plutôt. C'est dans celui-ci plutôt les clés plates. Donc là, on est quasiment. On a. Ah non, ok, pas de clés plates, c'est dommage. C'est dommage. Donc là, j'ai pas ouvert tous les coffres. Bien évidemment, je compte sur vous pour en ouvrir un maximum. Ouh la vache, je suis presque capote. On va se soigner. Et on est quasiment à la fin du bunker. Là, lui, on va lui mettre un petit coup critique. On va prendre quoi comme arme? Pour finir tout ça. Alors attendez, on va prendre ça. On va prendre ça histoire de les finir. On active le terminal et le bunker est quasiment fini. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont encore sur le live, on n'arrête pas le live tout de suite. On finit de recorder la vidéo. Oh la vache. Allez, on va le prendre avec ça. Ok, très bien. Alors, nous avons eu ça, c'est génial. Et bien voilà, c'est ça que je voulais. Allez, n'oubliez pas, on peut le finir à l'arc, notre ami le géant enragé. C'est même ce qui est recommandé, c'est même ce qu'il y a de plus rentable. On va laisser finir tous les mobs ici. Voilà, on se soigne bien.
Et voilà, le bunker est clean. Le bunker est clean. On a tout fait au niveau du bunker. Il reste plus que cette petite salle à faire. J'ai déjà fait des vidéos qui expliquent comment y arriver. Donc là maintenant, on va se finir le bunker avec un pack opening du futur en espérant récupérer vraiment un maximum de choses. La vidéo, elle va faire à peu près 20 minutes. Mais c'est pas grave, plus c'est long, plus c'est bon. Allez, on file tout de suite récupérer tous les coupons qu'il me manque. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On file récupérer les coupons qu'il me manque en sachant que j'ai tous les coupons à l'étage. Ou pas, sinon j'ai tous les coupons à l'étage pour s'ouvrir donc tous les coffres du jeu, nous allons pouvoir se les ouvrir ce soir. N'hésitez pas donc à lâcher un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va prendre ça, on va prendre ça et les coupons orange et on est au maximum, on est au maximum. Allez, c'est parti. Un maximum de pouces bleus pour la fin de cette vidéo. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on va dégoter maintenant. Allez, c'est parti, on va commencer par les coupons verts. On commence par les coupons verts. Coupons verts, on peut récupérer donc des moteurs. Et pour l'instant, nous n'avons rien récupéré. Ok, nous n'avons rien récupéré d'intéressant. Coupons... Oh, bah, attendez, poubelle tout d'abord. Poubelle. On se fait la poubelle, les amis. On se fait la poubelle. Poubelle, ok. Ok, j'ai dit la poubelle. On a compris. Coupon kit de survie. Kit de survie. Donc ici, on peut récupérer fourche, moteur et roue. On va voir. Attention, attention. Ok, nous avons récupéré une roue avec deux armes à feu. Donc ça, c'est plutôt cool. Très, très intéressant. Surtout quand on n'utilise que des arcs. À la fin, si tu arrives à récupérer ce type d'arme à feu... Ben, ça peut être du coup super intéressant. Allez, et on se finit avec le terminal de combat. Coupon rouge. On va voir ce qu'on va pouvoir récupérer dedans. Let's go. Oh là 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 là, c'est pas mal. Alors moi, je n'ai pas récupéré le réservoir, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même récupéré un AK-7 quasiment full modifié, donc ça c'est cool. Un deuxième AK modifié, un pompe. Bref, pas mal de choses. On a une antenne parabolique que je valide. Un masque à gaz. Bref, on a récupéré quand même énormément de choses. L'AK, honnêtement, je le trouve plutôt badass. Vraiment très, très sympa. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, pour cette deuxième vidéo sur le bunker, en espérant que ça va vous servir et vous aider à le faire. N'oubliez pas donc le petit arc avec la clé. Je vais te tuer, espèce de sale gros lard. Ça marche plutôt bien. Après, faites votre propre phrase. Moi, je retourne sur le live. Continuez du coup le live. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao les amis.